C'est mardi pour la voix en question. À quel âge as-tu bu ta première binouze? Bah écoute, venant d'une famille d'agriculteurs, ça devait être vers 13-14 ans, une petite 33 Express. Tu les bois vraiment tes bières? Bah ouais, con quoi. Dis le ou la Covid? Alors moi je veux rien savoir parce qu'au début on disait le Covid, après il y a un cravaté qui est sorti de nulle part qui nous a dit. Non, maintenant on va dire la Covid. Non, moi je veux rien savoir, pour moi ça restera toujours le Covid point barre. Comment trouves-tu ton inspiration pour tes vidéos? Dans la coke, dans l'héroïne, dans la méthamphétamine. C'est complètement faux, je sais pas, mon cerveau fuse dans ma tête, ça fait des explosions. Est-ce que tu en as encore sous le pied avec toutes tes bêtises, MDR? Bon, je vais te dire ça. J'adore l'humour! Tes ambitions? Ben écoute, faire un max d'oseille pour pouvoir aller acheter une grosse villa à Dubaï pour être exonéré d'impôts, bien sûr! Non, pas du tout, en vrai, je sais pas, on verra. On verra ce que nous dira la. Quelle chaussette aujourd'hui? Alors, pour tous les gens qui ne le savent pas, c'est toujours des chaussettes dépareillées chez moi. Alors aujourd'hui, c'est des petites Pikachu avec des petits canards! T'es beau de nature ou tu as eu recours à la chirurgie esthétique? On va dire que voilà, la nature m'a gâté et que j'ai pas eu besoin de chirurgie esthétique, si tu vois ce que je veux dire. Petite bière? Petite bière, mais dans un grand verre. Quel est ton acteur préféré? Bien sûr, sans hésitation, François Damiens, le boss, l'ultime. Quel est ton métier? Alors, ça c'est la question qui est revenue au moins 56 000 fois. Donc je vais répondre. C'est juste créateur de vidéos. Voilà. Quel âge avez-vous? Quel âge me donnez-vous? 28 ans, merci. Bientôt la trentaine. Allez, ciao! Tu peux m'apprendre à danser comme toi? Alors ça c'est vraiment, je suis désolé de te décevoir, mais tu n'y arriveras jamais, mon grand. Même avec toutes les années d'expérience que tu pourrais avoir, jamais tu ne pourras y arriver. Il n'y a que le talent. Ta copine, tu la préfères quand elle est à jeun ou quand elle est saoule? Je préfère surtout quand elle ferme sa gueule. Voilà. Une réponse? Ta gueule. Tout. Alors c'est pareil, cette question, elle est revenue au moins 1 million de fois. Donc voilà. Avant, j'habitais dans le nord. Maintenant, j'habite dans le sud, dans une grande villa. Et mon voisin, c'est Elton John. Au passage, Elton, t'as un amour. Merci pour les. Alors, pour quand les lives sur Twitch? Merci. Alors, on en a fait un coup, un éclaté au sol. Voilà, ça s'est lancé comme ça, d'un coup à minuit. Et en fait, il faut que je règle le problème de son. Et après, là, on va attaquer parce que j'ai acheté des jeux en plus. Comme voiture. Alors là actuellement j'ai une Lamborghini Gallardo verte, mais j'en ai un peu marre, du coup je vais racheter la même mais en jaune parce que j'ai pas envie de la repeindre en fait. Ça fait combien de temps que tu fais les vidéos? Alors on va dire 2 ans, 2 ans et demi, voilà, mais ça marche depuis vraiment le premier confinement, quoi. Merci le Covid. Des autres détournements et au passage continue ce que tu fais. Merci déjà, c'est très aimable de ta part de m'avoir dit ça. Et ben c'est tout le temps en vrai. Et chaque dimanche, par contre, à 11 h sur Facebook, il y a la compilation du dimanche. La femme. Que voulais-tu faire comme métier petit? Je voulais faire agriculteur parce que je viens d'une famille d'agriculteurs. Du coup, je voulais faire agriculteur aussi. Et j'ai vite compris qu'en fait non, ça non. Ferrari et la Rolex. Alors bon, bah la Rolex, j'en ai déjà 4, donc c'est pas grave. Et Ferrari, je suis pas trop fan, je suis plus Bugatti Veyron et du coup, normalement, elle devrait arriver la semaine prochaine, la Bugatti. Croisons les doigts. Ouais, Justin The Kid. Alors c'est juste parce que je suis un gamin dans ma tête et voilà. Et je m'appelle Justin, donc Justin The Kid. Voilà. Artichaut ou chou-fleur? Saucisson. Tu pas une tireuse pour ta bière? Alors je pense vraiment qu'il me faudrait plus une brasserie pour directement aller à la source.
Bretons, je connais des Nordistes. As-tu déjà bu l'apéritif avec des Bretons? Non, mais par contre, j'adorerais. Parce qu'apparemment, vous avez aussi une sacrée descente qu'on n'aimerait pas remonter à vélo. Penses-tu de la Belgique? Alors, c'est comme la Bretagne, c'est la bière déjà. Vous, la bière, vous y connaissez en bière. Votre accent qui est... C'est une pépite! Meilleur accent du monde, je ne veux rien savoir. Alors, es-tu papa? Alors oui, effectivement, je suis père d'un magnifique fiston! Oh là là! C'est le fils à son père! Gros porc bouffe encore les crottes du chat. Bah oui qu'il bouffe encore les crottes!